Salut à tous, c'est Neosia. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5. Donc c'est un nouveau glitch, c'est pas vraiment un glitch, c'est plus une astuce. Donc je vais vous dire tout de suite comment le faire, hein, parce que là j'ai pas beaucoup de temps, comme ça lance direct sur la vidéo. Donc c'est bien ma vidéo, c'est parce que je fais en différé. Donc vous allez dans course, donc dans les activités de Rockstar, vous lancez une course. Et c'est la course, c'est objet trouvé, c'est un peu plus vers le bas, vous descendez dans les courses. Et vous allez voir, c'est objet trouvé. Et c'est une course qui rapporte vraiment, vraiment beaucoup d'RP. Et plus on est, plus on va gagner, ça c'est la base. Mais on peut le faire tout seul. Et quand on est tout seul, on peut gagner, bon on gagne 4500 tout le temps. Donc c'est vraiment énorme, hein, 4500 quand on est tout seul, on peut le faire quand on veut. On a besoin de personne, donc 4500 tous les, je sais pas trop, si on va assez vite, tous les 1 minute 30. Donc ça va super vite, hein, et c'est vraiment énorme. Donc pour l'instant, je pense que c'est la meilleure astuce qu'il y a en glitch, hein, pour l'instant. Donc c'est une astuce, mais je dis en glitch, voilà, vous me comprenez. Donc après vous pouvez lancer directement et vous pouvez mettre en super sportive, hein, ça change rien. Même en moto, hein, en moto si ça va plus vite. Après je pense que super sportive ça reste le meilleur, mais bon, vous mettez comme vous voulez. Donc moi je vais prendre la voiture du DLC, le nouveau, donc elle est vraiment bien. Franchement pour ceux qui hésitent à l'acheter, franchement je la conseille, elle est vraiment vraiment top, je la kiffe. Donc là vous faites la course normalement, hein. Il n'y a rien de spécial à faire, hein, vous faites la course normalement. Après c'est à vous de vous dépêcher pour gagner des RP le plus vite rapide, hein, le plus vite rapide ça se dit pas, le plus rapide possible, voilà, ça c'est mieux. Donc voilà, là je me suis un peu dépêché, par contre j'ai baissé un peu le son. Donc voilà, donc après vous finissez la course et vous allez gagner 4500 RP à chaque fois que vous allez finir la course. Mais en fait si vous voulez, c'est parce qu'en fait là en ce moment il y a le week-end double XP, donc je sais pas si vous le savez, il y a le week-end double XP sur GTA 5 sur toutes les courses. Donc sur toutes les courses créées par Rockstar, il y a double XP, donc voilà si vous voulez vous amuser un petit peu à farmer les courses au week-end, si vous voulez XP un peu plus vite que d'habitude, voilà c'est le moment. Après je sais pas ce que ça va donner la course après le week-end, mais bon elle gagne vraiment vraiment bien, c'est à tester. Pour l'instant c'est une merveille, hein, ça gagne vraiment bien. Bon, après moi je suis niveau 620, donc je m'en tape un peu, hein, de l'XP. Et si je fais ça c'est pour vous montrer l'astuce. Après l'astuce je l'ai mis un peu tard, hein, là je vais la poster sur ma chaîne vers 21h. Donc c'est un petit peu tard, mais bon aujourd'hui on est samedi, j'ai profité du soleil, hein, ce qui est rare dans le nord. Bref, donc voilà, donc moi je vous laisse sur la fin de la vidéo. Vous allez voir combien j'ai gagné d'XP, que c'est pas du tout un fake ou une arnaque, hein, loin de là. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!